On va commencer maintenant. Donc, nous, pour un bref rappel de qui on est le Migracote. Donc, on est une association étudiante qui travaillons sur la question des migrations. On essaye d'un peu de sensibiliser le public universitaire à tout ça. Et donc, aujourd'hui, au vu de la situation, on s'est dit que ce serait intéressant de faire une séance de discussion sur la situation Covid et comment cette situation impacte la vie des personnes sans papier et toutes les difficultés que ça peut représenter pour elles. Et donc, dans le but de faire cette séance de discussion, on a invité Rabia Bianc, qui est membre de la coordination des sans-papiers, Maria Frère également, et Anne-Catherine Deneuve, qui est membre de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Et donc ici, on va avoir une petite discussion avec ces trois intervenants. Et on va commencer par laisser la parole à Anne-Catherine parce que, en fait, Anne-Catherine, enfin, la plateforme rencontre une situation de crise pour le moment avec le Covid. Et donc, Anne-Catherine va devoir se sauver vers 20h30. Donc, on va la laisser parler en premier. Donc, Anne-Catherine, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bah, donc, toutes mes excuses de devoir vous quitter, mais donc, il y a dans plusieurs structures d'hébergement aujourd'hui plusieurs situations de Covid avec des clusters dans des hébergements, donc avec des personnes sans papier en transit essentiellement. Et donc, on a dû fixer une réunion et on n'a pas trouvé d'autre moment pour la faire qu'à partir de 20h30. Donc, je suis vraiment toute très désolée de devoir vous quitter à 20h30 et de ne pas pouvoir participer aux discussions. Et donc voilà, donc moi, je vais me présenter. Je ne connais pas tout le monde. Donc je m'appelle Anne-Catherine Deneuve et je suis donc famille hébergeuse pour la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés depuis 3 ans et demi maintenant. Et je coordonne également les activités d'hébergement citoyen, qu'elles se soient en famille ou en collectif, pour le Brabant Wallon. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, je pense que, comme diront certainement Rabia et Maria par la suite, je pense que le Covid, ça fait effet loupe. Ça fait effet loupe sur les vulnérabilités, sur les situations de fragilité sociale. Moi, j'aime pas parler de personnes vulnérables. Je pense que les personnes, elles sont en situation de vulnérabilité, elles ne sont pas vulnérables. Et donc, ça fait effet loupe parce que finalement, ça amplifie les situations de non-accès aux ressources et de non-accès aux droits. On le remarque un peu partout, hein. Je pense que moi, en tant que parent, je le vois dans l'enseignement. Où il y a donc un impératif, par exemple, de disposer d'un ordinateur et que ce n'est pas le cas pour toutes les familles, d'être en mesure de disposer d'un ordinateur pour chaque enfant, ni d'un espace privé d'ailleurs pour chaque enfant. Et bien donc cet effet loupe se marque évidemment, on va dire que la loupe est d'autant plus grossissante quand les vulnérabilités sont plus installées ou plus marquées. Et donc ça, finalement, en fait, c'est ce qu'on vit depuis un an avec la situation Covid, mais je mentirais en disant que cette situation n'était pas déjà préexistante au Covid. C'est simplement que ça l'a rendu plus visible et plus marqué. Donc les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, eh bien, n'ont pas le même accès ni aux ressources ni aux droits. Et le Covid en fait a visibilisé et a amplifié ça. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a entamé le lockdown en mars 2018, l'année dernière, il y avait une interdiction de rester assis ou de rester statique dans l'espace public. Cette interdiction, elle était voilà, pour éviter qu'on se rencontre dans l'espace public, mais elle avait été prévue pour un ensemble de populations qui disposent d'un lieu où être chez soi. Et on n'avait pas questionné les personnes qui sont à la rue ou qui ne sont pas dans la capacité, qui ont parfois un toit, mais pas un chez soi. Et donc, on a vu dans les premiers jours du confinement, finalement, des actions policières pour faire bouger les personnes sans abri et dans le cas qui me préoccupe, les jeunes gens qui sont au parc Maximilien et qui on n'avait pas réussi à loger. Parce que par ailleurs, cette interdiction donc de se poser, donc cette interdiction, enfin cette obligation de rester en mouvement dans l'espace public avec le Covid, n'avait pas été assortie des mesures nécessaires pour mettre à l'abri les personnes qui sont à la rue.
Et c'était d'autant plus marqué qu'au premier temps du Covid, et c'est encore le cas dans certaines situations, un grand nombre des ressources qui étaient disponibles pour les personnes en situation de vulnérabilité ont été mises à l'arrêt par l'interdiction donc de travailler, l'obligation du télétravail, l'obligation d'écarter les bénévoles de plus de 65 ans, et qui a fait que il y a un grand nombre de services qui étaient accessibles pour les personnes en situation vulnérable qui ne l'ont plus été. Alors je prendrai un exemple, par exemple à Louvain-la-Neuve, il y a UTUC qui s'occupe des personnes sans domicile fixe, mais qui n'ont pas été en mesure, compte tenu des mesures sanitaires et de la configuration de leurs bénévoles, qui n'ont pas été en mesure finalement de persévérer dans les services qu'ils proposent aux personnes qui sont sans abri sur Louvain-la-Neuve. Donc, par exemple, les douches ont été interrompues parce qu'il n'y avait pas la possibilité de désinfecter, etc., par du personnel engagé et que tout fonctionnait avec des bénévoles. Donc, finalement, donc le Covid a à la fois amplifié les vulnérabilités et à la fois les a rendues plus visibles aussi. Donc, au début du confinement, enfin, juste un peu avant le confinement, donc la plateforme citoyenne héberge en structure, enfin en famille ou en structure collective des personnes qui sont sans statut administratif sur le territoire belge et qui sont essentiellement en transit. Ça veut dire qu'elles ne souhaitent pas rester en Belgique et qu'elles envisagent de passer dans un autre pays qui est essentiellement l'Angleterre dans l'idée d'y demander l'asile. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte à quelques jours avant le fameux lockdown du 18 mars de l'année dernière, je crois que c'était le 18, je ne sais plus. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a rien qui allait être prévu pour les mettre à l'abri et qu'on allait les abandonner dans cet espace public qu'on avait nous-mêmes déserté pour se mettre en protection. Et donc voilà. Et donc il y a eu un vaste mouvement citoyen de nouveau au sein de la plateforme et en dehors de la plateforme. Donc il y a énormément d'autres collectifs qui ne sont pas affiliés à la plateforme mais qui font le même type de travail, qui ont commencé à chercher des solutions pour mettre ces personnes à l'abri, puisqu'il y avait à la fois l'interdiction de rester dehors et à la fois incapacité à se mettre à l'intérieur. Et donc, il y a eu de nouveau donc, un vaste mouvement citoyen. Et donc, par rapport à ça, je veux dire que ça a été pour nous une expérience, et c'est encore aujourd'hui pour nous une expérience assez intense, hein, puisque il y a des enjeux sanitaires qu'on ne gérait pas hein, précédemment. Il y a des enjeux sanitaires et des impératifs de mettre à l'abri et aussi, je vais dire, parfois une certaine acrimonie de la population belge sur les personnes qui restent en mouvement. Et donc, ça a été très intense comme période et ça révèle de nouveau finalement que dans les espaces finalement où l'État ne comment dirais-je, l'État n'exerce pas ses missions. Eh bien, ce sont les citoyens qui viennent combler, pas que les citoyens, les associations, etc., qui viennent combler les lacunes de la prise en charge par l'État de vulnérables. Je pense que tous les intervenants qui sont, on l'a entendu, hein, donc on a entendu plusieurs personnes s'exprimer sur la question, mais tous les intervenants qui sont actifs dans le soutien aux personnes en situation de vulnérabilité ont souligné la même chose. La situation sanitaire a amplifié les potentielles crises et a désinvesti finalement les possibilités d'être prises en charge. Alors concrètement, nous, on a fait appel aux citoyens, on a fait appelle beaucoup aux communes aussi, ou qui ont alors, comment on va dire, pour un peu édulcorer ce que je viens de dire. Donc, nous, dans notre situation en tout cas, quand on s'est retrouvé quelques jours avant le confinement à réaliser qu'on allait laisser les personnes dont on s'occupe habituellement dehors et qu'elles ne seraient pas prises en charge par l'État dans cette situation particulière du Covid, on a fait appel aux pouvoirs publics locaux et on a sollicité les communes. C'est valable, c'était le cas dans le Brabant wallon, mais ça a été le cas aussi dans toute la Wallonie. Et donc, on a sollicité les communes en leur demandant d'intervenir en nous cédant l'occupation de locaux qui avaient été laissés vides par le Covid. Et donc, on a ouvert comme ça, pendant le Covid, une dizaine, dans le Brabant wallon, je parle, mais au total, sur la Wallonie, une vingtaine d'hébergements collectifs. Qui ont été construits, enfin qui ont été ouverts grâce à la collaboration des pouvoirs locaux
qui ont accepté finalement de jouer ce jeu de la solidarité face aux plus vulnérables dans cette situation particulière de crise. Et donc, disons que par rapport à la crise Covid, du point de vue de l'hébergement citoyen des personnes sans statut en migration, on va dire que le bilan est mitigé, puisque à la fois, bien, on a découvert qu'on, de nouveau, on les abandonnait. Et aussi, on a découvert la possibilité d'entrer en relation plus structurée avec les pouvoirs communaux. Et ça a généré quand même pas mal de collaborations qui aujourd'hui perdurent. Donc, aujourd'hui, donc, à l'annonce de ce petit mini ce confinement qui n'est peut-être pas un confinement ou qui en est quand même complètement un, enfin, je ne sais pas très bien comment on peut l'appeler. Aujourd'hui, on est beaucoup plus prêt finalement à réagir à la situation qu'on l'était en mars 2020, puisqu'on a noué tous ces partenariats avec un grand nombre de communes et qu'aujourd'hui, on a des hébergements qui se sont ouverts en marge de cette crise, enfin en lien avec la crise Covid, et qui ont perduré, et des collaborations qui se sont nouées autour finalement de l'extrême vulnérabilité de ces personnes et qui ont perduré dans le temps. Et donc aujourd'hui, on est beaucoup plus à même, même si on est très fatigués, je crois, tous, mais ça c'est valable pour toute la population belge, je crois, mais on est aujourd'hui plus à même en tant que citoyen d'intervenir sur ces questions-là. Après, je pense que comme tous les intervenants, je m'interroge tout de même sur la Belgique. Enfin, tous les intervenants, tous les participants d'ailleurs. Moi, ça m'interroge quand même, hein, en tant que citoyenne belge, sur le constat que pour mettre à l'abri les personnes les plus vulnérables, on doit faire appel à la solidarité. Ça n'est pas conforme à ce que j'avais comme perception de la démocratie belge. C'est pas conforme du tout, en fait. c'est quelque chose qui me choque au quotidien. Ça me choque au quotidien que finalement cette démocratie établit des catégories d'humains et qu'elle applique un droit, des ressources différentes à ces catégories, qui sont des catégories administratives ou socio-économiques. Je ne sais pas lequel des deux est le pire, à mon avis, les deux. Et donc voilà, donc moi je reste profondément choquée de cette situation. Je suis aussi dans le, donc c'est ce que je vous disais, je balance toujours, mon cœur balance toujours entre cette profonde. Comment est-ce qu'on va dire ça? Indignation et ce profond enthousiasme de voir que finalement le tissu on va dire humain, parce que c'est citoyen, mais pas seulement citoyen, parce que dans la notion de citoyen, il y a déjà toute cette question du papier qui me perturbe. Et donc, on va dire ce profond engagement humain qui permet finalement de reconstruire le vivre ensemble que je trouve érodé par ailleurs dans les mécanismes plus institutionnels. Il ne faut pas noircir tout le tableau, hein, donc je ne pense pas que tout le tableau doit être noirci, mais tout de même, il comporte des grosses zones d'ombre qui interpellent en fait finalement, parce que si on réfléchit à la question finalement des catégories auxquelles s'appliquent différemment ces droits ou auxquels s'applique un droit différent. Mais une catégorie, c'est jamais qu'une liste de critères et qu'un critère, c'est facile à changer. Et donc, je suis vraiment interpellée par la question de la manière dont on gère, enfin, dont, je ne sais pas si on peut dire l'État, enfin, je ne sais pas très bien, mais l'institution, enfin, je ne sais pas très bien ce qu'on peut dire exactement, mais gère les personnes les plus vulnérables, justement en établissant des catégories qui déterminent l'accès aux ressources et l'accès aux droits. Donc voilà, je ne sais pas si je peux être plus détaillée, parce que si vous voulez que je vous raconte comment se passe un hébergement ou si tout le monde a déjà une perception de ça, ou je ne sais pas s'il y a des questions. Donc je vois que j'ai parlé 16 minutes. Vous avez vu hein, que ça va, hein, je suis capable de parler pas trop longtemps. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, des points particuliers que vous aviez envie de soulever par rapport à ça. Migracote, si vous avez quelque chose en particulier ou vous voulez que je raconte un peu comment ça se passe, l'hébergement en temps de Covid, ou bien que je vous raconte la crise. Oui, alors tu peux nous expliquer les vaccins, ou alors La tu question peux des nous vaccins, tu parler veux dire? de... Ah Non, c'était plus une blague, mais tu peux... ben non, Oui, mais si la tu es question d'accord des d'en vaccins. parler.
Oui, Mais la question des vaccins des personnes en première ligne, par exemple, c'est. la question des vaccins ou la question du test COVID, en fait, est très révélatrice aussi de cette situation, puisque, par exemple, nous, on a eu plusieurs personnes qui étaient symptomatiques dans des hébergements collectifs. Eh bien, il faut se lever tôt pour réussir à lui faire faire un test, hein. Il faut connaître les bonnes personnes et pouvoir actionner les bons leviers de façon à pouvoir réussir à faire en sorte que quelqu'un qui ne dispose pas d'un numéro de registre national puisse accéder finalement à la base d'un acte de santé publique aussi. C'est un acte de santé personnelle, mais c'est aussi un acte de santé publique, c'est-à-dire d'aller faire tester quelqu'un qui est symptomatique et qui fréquente des lieux publics ou fréquente des structures collectives. Et nous, par exemple, dans le Brabant wallon, quand on est confronté à une situation où on a une personne qui est hébergée, qui présente des symptômes, c'est bien parce qu'on a mis en place des collaborations avec les maisons médicales qui font un boulot extraordinaire en termes d'engagement social. C'est bien parce qu'on a mis en place ces conventions et ces collaborations qui précédemment, on va dire, la crise Covid, qu'on arrive à obtenir finalement des soins de base pour les personnes qui sont hébergées chez nous. Traditionnellement, quand on héberge par ici, quand on a un invité qui est malade, on fait appel à des médecins, ce qu'on appelle les médecins solidaires, ça veut dire des médecins qui sont dans la région et qui acceptent de consulter gratuitement pour les personnes sans papier. Allez, sans papier, en tout cas ceux dont on s'en occupe. Mais en fait, finalement, ça ne donne pas accès aux examens médicaux. Et donc, on s'est assez vite rendu compte que, on mettait parfois la vie en danger, enfin, que la vie des personnes qu'on hébergeait était en danger faute d'accès à des examens médicaux. Et les CPS ne sont pas toujours extrêmement, comment dirais-je, collaborants sur l'ouverture d'une aide médicale d'urgence pour quelqu'un qui est en transit. Puisque non seulement c'est quelqu'un qui est sans papier, mais c'est en plus quelqu'un qui est sans, on va dire, commune de référence. Et donc l'AMU, elle s'ouvre sur la base de la fréquentation d'une commune. Et donc le CPS va prendre en charge l'ouverture de l'AMU parce que la personne fréquente régulièrement le territoire communal. Et donc pour les personnes en transit, c'est extrêmement compliqué, hein, c'est un peu la quadrature du cercle. Et donc aujourd'hui, avec les tests COVID, on n'est pas encore complètement au point. Ça s'est bien organisé. Par exemple, maintenant, il y a par exemple un bus à Bruxelles qui permet aux personnes sans papier d'aller se faire tester. Je ne sais plus comment ils l'appellent, mais ça doit être le testing bus, hein, sans beaucoup d'originalité, qui se trouve, qui bouge dans les squats, qui va en mission dans les différentes occupations, qui est aussi présent sur près de la gare du Nord et qui permet finalement à des personnes sans papier, quelles qu'elles soient, d'accéder au minimum finalement de l'acte qu'on réclame à tout le monde, qui est de santé publique, c'est-à-dire d'aller se tester pour vérifier les potentielles contaminations. Sur la question des traitements, donc on est confronté, pratiquement parlant, on a des cas positifs de Covid dans nos hébergements. C'est en partie pour ça que je vais devoir vous quitter. Et notamment des clusters, donc ça veut dire des espaces où il y a un grand nombre de contaminations. Et en fait, pour gérer ça, de nouveau, on doit faire appel finalement à la débrouille solidaire et aux différents contacts qu'on peut avoir en individuel. Moi, je trouve ça quand même dingue qu'il n'y ait pas une ouverture. Alors peut-être que je ne suis pas au courant de tout, mais moi, je trouve ça quand même dingue que, par exemple, si on va au centre de testing à Cours-Saint-Étienne, ici dans le Brabant wallon, et qu'on n'a pas de numéro je ne sais pas quoi là, en fait, on ne se fait pas tester. Et donc voilà. Et donc ici, par exemple, dans la gestion des clusters et dans la gestion des cas positifs, de nouveau, il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui a été mis en place où il y a quand même quelque chose, certaines choses qui ont été mises en place dans certains endroits, mais qui sont extrêmement difficiles d'accès. Par exemple, mettre quelqu'un en quarantaine, ou mettre quelqu'un en quarantaine parce qu'il attend le résultat du test, ou mettre quelqu'un en quarantaine parce qu'il est positif, eh bien, en fait, c'est difficile d'accès. Par exemple, sur Tournai, alors que c'est fort fréquenté, notamment par les personnes en situation de migration parce qu'elles sont à proximité de la frontière française, il y a 3 places. Sur toute la province, il y a, je crois, en tout cas sur toute la ville de Tournai, il y a 3 places en quarantaine pour les personnes en situation de vulnérabilité, sans papier ou en transit. Donc 3 places pour les mettre à l'abri. Et donc les personnes qui ont été
qui sont en testing maintenant dans les structures collectives de la plateforme, on est obligé de prendre des décisions qui remettent à la rue les personnes qui étaient... Enfin, on n'a pas encore pris cette décision, mais on pourrait être amené à prendre cette décision, c'est-à-dire de fermer des structures parce qu'il y a un risque de contamination, et donc de remettre à la rue les personnes qu'on hébergeait et qu'on protégeait. Enfin, enfin, moi... ça me laisse pas que tout, ça me rend dingue de voir ça. Et en même temps, on arrive à se débrouiller. Donc, en même temps, il y a la débrouille, quoi. En même temps, on trouve bien un médecin qui connaît un laboratoire qui veut bien faire le test. Et puis, on fait appel. Et alors, quelqu'un, justement, un studio qui est libre, dans lequel on met 3 gars en quarantaine. Mais c'est de la débrouille, quoi. Et si jamais nous, on s'arrêtait, ou toutes les associations qui s'occupent de ça s'arrêtaient, ben, je ne sais pas ce qui se passerait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la question des tests. Pour la question de la vaccination, la vaccination, aujourd'hui, elle n'est pas encore ouverte aux personnes qui sont sans NIST. Elle se fait... Il y a Marie-Véronique qui a de nouveau une très, très drôle de voix. Excuse-moi, Marie-Véronique. Pardon. La question de la vaccination, ben, de nouveau, donc, ici, la région Wallonne a intégré les bénévoles de première ligne dans la vaccination de phase 1, A, B, C, D, je ne sais pas quoi, enfin, la phase qui est ouverte maintenant aux personnes qui sont en situation d'aide pour les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, la plateforme a été sollicitée pour communiquer à ces bénévoles qu'ils étaient prioritaires dans cette phase de vaccination. Ça, c'est super. Mais par contre, les personnes qui sont en situation les personnes qui sont en situation de vulnérabilité et qui donc par défaut ont moins accès, enfin par définition ont moins accès aux soins, moins accès à des structures de mise en quarantaine, moins accès à des tests, etc. Ben elles passeront probablement dans une phase ultérieure. Ben j'espère que ce ne sera pas très tard. Ben elles passeront certainement dans une phase ultérieure de ces phases de vaccination. Et donc on voit de nouveau à quel point en fait ça accentue en fait et ça ne tient pas compte de les situations de vulnérabilité préexistantes qui devraient déterminer que ben, les personnes qui ne sont pas en état de se soigner du fait de leur situation administrative, socio-économique ou que sais-je, ben, devraient être prises en compte prioritairement. Les personnes qui n'ont pas par exemple, je ne sais pas si on voit les familles qui habitent à 8 dans un appartement avec 2 chambres et qui n'ont pas la possibilité de se mettre en quarantaine. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà dû faire une quarantaine, mais moi, avec mes enfants adolescents, on en a dû faire quelques-unes. Et on a une chambre par enfant. Ben, c'est super, hein, une chambre par enfant, parce que quand on a un enfant qui doit être mis en quarantaine, ben, il peut rester dans sa chambre. Mais si on n'a pas une chambre par enfant, comment est-ce qu'on fait? Si on n'a pas, quand j'ai appelé le testing, enfin, quand je me suis fait appeler par le testing pour mon fils qui était Covid positif au mois de novembre, la personne du dispatch m'a très gentiment dit, donc vous devez lui consacrer une salle de bain et une toilette. Ben, où toutes les familles belges ont 2 salles de bain et 2 toilettes. Ça a été dit où? Que ça faisait partie de la base pour être en sécurité et mettre en sécurité ses proches. Où est-ce que ça a été dit? Moi j'ai passé 1h30 avec la personne du dispatch, je ne pense pas que ça a été très utile, mais pour lui expliquer que dans leurs règles, il devait prendre en compte la situation du moins 10 ans, enfin de la personne qui est dans la voilà, et adapter les consignes à ces personnes-là et pas l'inverse, quoi. Comment est-ce qu'un fonctionnaire peut me dire, donc vous consacrez une des toilettes de la maison à la personne qui est malade, mais comment est-ce qu'on peut dire que j'ai 2 toilettes et comment est-ce qu'on peut dire que c'est ça la norme finalement pour être en situation de se mettre en sécurité? Et moi, ça c'est vraiment quelque chose qui me choque profondément et qui est voilà, exemplatif de tout ce qu'on vit aujourd'hui et de tout ce que les personnes les plus vulnérables vivent aujourd'hui. Là-dessus, j'ai parlé 10 minutes sur le vaccin. Je sais pas du coup si vous avez des questions, parce qu'il me reste, allez, je peux arriver un tout petit peu en retard, donc il me reste, allez, 8 minutes, quelque chose comme ça. Mais je peux aussi me taire et passer la parole au suivant. Est-ce que quelqu'un dans le public a des questions? C'est terrible, hein. Dites le public, vous voulez pas allumer vos caméras? Moi, j'en peux plus de ces caméras éteintes, je suis désolée. Vous voulez pas allumer vos caméras? On n'est pas très nombreux, ça ne devrait pas embêter la bande passante, à mon avis. Si vous êtes en pyjama dans votre vie, tant pis pour vous. Oui, le public, le public. Moi, je veux le public. Allez, youpi. Yes, le public. Ouais. Oui, c'est terrible parce que du coup, on ne peut pas fricoter à autre chose. Non, j'ai déjà mangé.
Voilà, justement, regardez leur chaîne Merci assiette. d'écouter. J'ai mangé juste avant. Mais oui, s'il te plaît. Attends, mais parce que je suis dans la conférence. Allez, allez. Ou alors tu viens dire bonjour. Voilà. Car il faut que tu reprennes l'assiette, ma belle. J'ai mangé. Bonjour, au revoir. Mais voilà, c'était pas le moment de demander d'allumer la caméra. Donc voilà. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vais bientôt devoir y aller. Moi, je me demandais aussi si dans les bénévoles, il y en avait qui avaient. Est-ce que l'aide bénévole a diminué par crainte du Covid ou est-ce que les gens sont quand même restés au taquet? Ben non, d'abord, dans la structure de l'hébergement en famille, on avait énormément de familles qui avaient des facteurs de risque, donc notamment parce qu'il y a beaucoup de familles qui hébergent des personnes en situation en migration de transition, là, parce que, enfin, on va dire les gars, moi je les appelle les gars, parce que les personnes en situation de machin, ça m'énerve. Mais donc, il y en a beaucoup qui hébergeaient dans la chambre de leurs enfants qui est devenue grand, en fait. Donc, beaucoup de couples plus âgés qui hébergeaient parce que leurs enfants sont partis la semaine à l'UNIF ou sont partis mener leur vie et donc ont de l'espace disponible dans les maisons. Et donc, toutes ces familles-là, donc avant le confinement, on estimait le nombre de familles qui hébergeaient dans le Brabant wallon de manière régulière ou épisodique, hein, peu importe, mais qu'ils faisaient à cette époque-là, on estimait à plus ou moins 200. Aujourd'hui, on doit être une trentaine de familles hein, hébergées maximum dans le Brabant wallon. Allez. Peut-être ouais, 30, je dirais. Simplement parce que oui, effectivement, ça questionne les points de vue de la sécurité individuelle, la sécurité de ses enfants, de ses parents plus âgés. Si on héberge des personnes qui sont en mouvement, qui vivent dans des conditions sanitaires déplorables quand elles ne sont pas à la maison, ben, forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont la peur d'un risque accru. Et la plateforme a encouragé les personnes à risque à arrêter d'héberger. Au début du confinement. Et donc, on a eu beaucoup de familles qui ont arrêté d'héberger, pas mal de nouvelles familles qui avaient envie de commencer à héberger et qui ne se sont pas lancées pour ces questions-là. On a vraiment vu une diminution parce qu'au premier lockdown, les familles se sont confinées avec les personnes qu'elles hébergeaient habituellement. Et là, on était encore, je ne sais pas, à mon avis, dans le Brabant wallon, on devait être encore une cinquantaine de familles. Et on s'est confinées avec nous. On était 10 à la maison, je crois, ou 12, 10, 11, je ne sais plus. Donc, on avait les 6 membres de la famille, plus 4 ou 5 gars qui ont été confinés avec nous pendant plusieurs mois. Ben, déjà, il faut pouvoir l'assumer financièrement. Ce n'était pas facile, hein. Du coup, ça a doublé notre consommation de tout, hein, puisque là, on les hébergeait, ils venaient plutôt 3 jours semaine, mais 7 jours semaine à 10 dans la maison ou à 11 dans la maison, ça a augmenté nos factures, factures d'alimentation, factures d'énergie, etc. Donc, il y a des familles aussi qui, à la fin du lockdown, ont dû s'arrêter pour des raisons financières, hein, simplement, de fatigue aussi, parce que c'est quand même fatigant émotionnellement. Alors, au niveau des bénévoles, on a dû aussi faire comme tout le monde, c'est-à-dire de proposer aux bénévoles à risque d'arrêter d'être en contact de première ligne. Ça a été quelque chose de terrible, en fait. Ça aussi, on pourrait en parler, ce n'est pas le sujet, mais on pourrait aussi en parler. Mais la manière dont dont les personnes plus âgées ou les personnes à risque ont été exclues, ici, par exemple, de leur engagement, ça a été vraiment très, très difficile à vivre. Alors, dans les hébergements collectifs, on a mis en place des protocoles de protection Covid qui ont été, façon Ebola, quoi, hein, donc pour éviter la contagion. Et donc, du coup, les bénévoles sont beaucoup moins nombreux parce qu'on tourne avec des bénévoles qui font des shifts, on appelle ça un shift très pragmatique, quoi. On ne reste pas, on reste 20 minutes, une demi-heure dans la maison pour vérifier que tout va bien, mais on ne joue pas des jeux de société, on ne mange pas. Enfin, il n'y a pas tout ce côté convivial qu'on a tous perdu, mais qu'on a perdu aussi dans les hébergements. Et donc, on a moins de bénévoles nécessaires pour des structures en confinement. Mais oui, bien sûr, il y a plein de bénévoles qui ont dû s'arrêter et plein de bénévoles qui se sont arrêtés parce qu'ils étaient en insécurité par rapport à leur situation familiale, parce que, je ne sais pas, moi, ils s'occupaient de personnes plus âgées, etc. Moi, par exemple, depuis le début du confinement, je n'ai jamais vu ma maman sans masque. Enfin, j'ai toujours été et je n'ai plus touché ma maman depuis le mois de mars, quoi.
parce que comme je suis en contact beaucoup avec des gars, et ben il faut que je dois ménager finalement mon engagement et la santé de ma maman qui est déjà un peu vacillante. Et donc voilà, donc ça veut dire que j'ai dû faire des choix et des compromis. Donc je vois ma maman quasiment tous les jours, mais je reste à 3 mètres, je ne reste pas plus d'un quart d'heure et je suis toujours avec un masque et je ne l'ai pas touché depuis un an, quoi. Donc oui, je pense que c'est des choix, mais des choix qu'on a dû tous faire, hein, je pense, en tant que voilà, depuis le Covid, je pense que tous les Belges ont dû faire des choix de ce genre. Voilà, mais c'est évidemment de nous amplifier quand on est en première ligne de personnes qui sont vraiment en dehors de tout système sanitaire et de tout système de santé, quoi. Oui, c'est sûr que c'est une situation qui est vraiment compliquée, où il faut faire des choix qui sont parfois vraiment très difficiles. Même pour ton engagement et tes sacrifices pour ah non, le pas, bien commun. Il ne faut pas du tout présenter ça comme ça. C'est pas du tout présenté comme ça. Donc, ma maman, je la vois tous les jours. C'est déjà une chance que j'ai. Hein. Donc, elle habite pas loin. Ma fille va tous les jours chez elle. Donc, c'est pas du tout une question de sacrifice. C'est une question de choix rationnel par rapport à pour gérer les enjeux. C'est pas, voilà, je la vois tous les jours. Donc, c'est pas du tout la même chose que les personnes qui sont dans des situations de détresse familiale parce qu'elles habitent loin. Quand deux personnes de la même famille habitent dans deux pays différents, par exemple, elles se voient plus du tout aujourd'hui, hein, depuis combien de mois? Qu'en numérique, tandis que ben voilà, moi je peux rentrer dans la maison de ma maman, je peux lui parler, partager des choses, etc. Donc non, c'est pas une question de. Probablement que si ça m'avait interdit le fait de la voir, peut-être que j'aurais fait des choix différents. Mais ici, avec ma configuration qui est vraiment idéale, et ça, il faudrait quand même aussi le souligner. Hein, donc ici, le point de vue des bénévoles qui interviennent, on est quand même très privilégiés. Hein, donc moi, nous, on a un grand jardin, une chambre par enfant. Une chambre pour les invités, on a le lac à proximité. Enfin, je veux dire, on est très, très, on est très privilégiés. Hein. Donc, enfin, ça, je crois qu'il faut vraiment s'en rendre compte. On a une vie qui n'est pas celle de la majeure partie de la population, même si on ne fait pas partie des élites financières. Mais on a quand même une vie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une vie où je sens que je suis vraiment privilégiée. Par rapport à une grande partie de la population. Et donc, bah voilà, ça, voilà. En tout cas, merci d'avoir pris la parole ce soir et on va te libérer pour que Ouais, tu je suis puisses. désolée parce que du coup, j'entendrai pas les deux autres. Je suis vraiment navrée, hein, excusez-moi. Mais Merci voilà. beaucoup. Voilà. Maintenant, je vais aller parler quarantaine et mise en confinement. Mais ça vient. Oui. Mais je vous laisse tout le monde. Bye bye et excusez-moi. Salut. Oui, bye. Je ne sais plus où on quitte la réunion. Tu raccroches, tu mets fin juste en se Oui. mouvant à droite. J'avais les. Et le public, vous avez enlevé vos caméras. Ça ne va pas. Remettez vos caméras. Allez, allez, courage. Sortez de votre prénom. Voilà, ça c'est trop cool. Merci Rémi. Allez, je vous laisse. Ciao. Oh, salut Anka. Du coup, maintenant, on va passer à la deuxième partie où malheureusement, Maria a dû nous quitter parce qu'elle logeait chez des amis et je sais pas, elle a eu une urgence et elle a dû nous quitter. Mais heureusement, Rabia, tu es là. Tout repose sur toi maintenant. Du coup, on a préparé toute une série de questions à te poser. Et la première dont on aimerait parler, par contre, ce serait peut-être mieux, en fait, présente-toi d'abord, peut-être pour commencer. Comme ça, nous, on te connaît, la famille ne te connaît pas. Ouais. Ben, moi, je m'appelle Rabia et je suis militant sans papier. Je suis le créateur du groupe Migrants Libres sur Internet. Et voilà, c'est ça. Du coup, la première question à laquelle on pensait, c'était la question du travail pendant ces temps de Covid. À la fois le travail qui est pour les sans-papiers qui est fort insécurisé parce qu'ils ne bénéficient pas toujours des protections adéquates, et en même temps ceux qui ont perdu leur travail et qui ne peuvent pas avoir un chômage de remplacement ou quoi que ce soit. Du coup, si tu as des choses à dire par rapport à ça. Oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est vraiment dommage que Maria soit partie parce qu'elle, elle a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là aussi. Mais moi, je vais parler de mon côté, comment j'ai vécu le début de confinement sur ce sujet de travail. En fait, moi,
Moi, personnellement, je travaille juste quand je trouve du boulot. Ce n'est pas régulier. C'est des choses que je trouve à gauche, à droite. Mais j'ai réalisé que, il y avait une galère très grande sur les sans-papiers. En fait, les sans-papiers, ils ont commencé à m'envoyer des messages privés sur ma page Migrants Libres, sur mon WhatsApp. Tous les contacts que j'avais, ils commençaient vraiment à m'envoyer des messages de détresse que ça va pas, on n'a plus le boulot qu'on avait dans les marchés, tout est arrêté, tout est figé. Plus, il y a le sujet de logement sur lesquels ils sont tombés. Moi, à l'époque, j'ignorais que les sans-papiers, ils pouvaient louer d'une façon légale, entre guillemets, des maisons ou des chambres. Je l'ignorais. Tant qu'on est sans-papiers, on est privé de tous les droits, à part la mue que madame, elle a parlé tout à l'heure. Et même avec des conditions, la mue, c'est l'aide médicale d'urgence que des fois, il faut, comme elle a expliqué, il faut que tu aies un logement fixe dans la commune pour que tu reçoives ce aide. Et du coup, tout à coup, les gens, ils commencent à être expulsés de leur logement. Il n'y a plus de travail, ils ont des enfants, ils ont des charges. Et ça commençait vraiment à grandir. Moi, ma boîte de messagerie, il n'arrêtait pas. Je répondais presque à tout le monde, je ne voulais pas laisser les gens sans réponse, mais je n'étais pas la personne qui a la solution. Moi, je suis un sans-papier comme eux, c'est juste que j'ai cette page où je mets toutes les activités politiques que je fais, entre parenthèses, avec des camarades sans-papier depuis X temps. Et du coup, il y avait sur mes épaules une charge très, très lourde. Je pouvais pas prendre ça tout seul. À ce moment-là, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo. J'ai lancé un signal d'alarme que voilà, les sans-papiers sont en train de galérer et je suis un de ces gens-là, qu'on commence vraiment à ne pas avoir de l'argent, ne pas avoir de travail. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller prendre les aides alimentaires parce que ça ne leur convient pas. Et du coup, c'est vraiment la galère. L'an dernier, en avril justement, ça était comme cette période-là, je recevais tous les trucs et du coup, j'ai commencé à parler avec les citoyens, les amis proches des militants pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. On avait l'idée de faire une sortie éclair dans le premier confinement qu'il y avait ici en Belgique. Ça était le premier groupe des militants qui sortait pour dire que voilà, les sans-papiers, ils sont en train vraiment de mourir. Je sais pas, il y a deux choses ici qui se sont passées. Il y avait une vague très grande et une volonté des sans-papiers de sortir après. Il y avait beaucoup d'activités. Ils étaient accompagnés des associations et des syndicats, même des fois. Et moi, j'étais content, mais malheureusement, l'État, il ne répond pas à tout ce que nous on fait. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à maintenant. En fait, même maintenant, ça a augmenté. Il y a beaucoup de groupes sans-papiers ici à Bruxelles qui commencent à occuper des lieux, des églises pour revendiquer la régularisation. Mais vraiment, il n'y a pas de volonté politique pour répondre à ces gens-là. Moi, ma vision personnelle, c'est quand on a galéré avec le Covid, avec cette épidémie mondiale. J'ai vu quelque chose qui est passé sur Internet qui parlait, parce que moi, les lois et tout ça, je connais, mais je connais pas tout. Et du coup, il y a dans le 9 bis un truc qui dit que s'il y a une exception, un truc exceptionnel dans ton cas, dans ton dossier, on peut te régulariser. Et moi, j'ai juste eu l'idée, une fois dans une manif, j'ai dit, vous dites qu'il y a une loi qui est le 9 bis, s'il y a une circonstance exceptionnelle, vous pouvez régulariser la personne. Bah, du coup, moi, pour moi, il faut appliquer ce paragraphe à tous les sans-papiers parce que là, on vit vraiment quelque chose de très exceptionnel qui est l'épidémie, qu'on ne peut pas s'en échapper et on peut pas, à l'époque, on pouvait pas aller revenir dans nos pays. Du coup, on était bloqué entre deux feux. Ici, tu galères, il n'y a pas d'argent, les aéroports ne fonctionnent pas, tu ne peux pas revenir chez toi. On était vraiment bloqué. Les gens, ils étaient en train de galérer. On ne savait plus quoi faire, à part de militer, sortir dans la rue. Et il y avait vraiment une large
comment dire, un grand besoin de reloger les sans-papiers. C'est de là que moi personnellement, j'ai déménagé à l'époque, ben, en fait, l'été dernier. J'ai eu un logement, je suis dans ma chambre tranquille, mais il y avait des demandes de s'il te plaît, Rabia, est-ce que tu connais pas un squat, un endroit, parce que nous, on va être expulsés. Il y avait beaucoup, beaucoup de demandes de cette sorte-là. Et j'ai décidé d'aller rejoindre des militants qui ont commencé de décider aussi d'ouvrir pour les gens qui sont dans le besoin, pour avoir un petit endroit où aller se confiner, parce que là, c'est la rue. Si tu ne trouves pas de squat, c'est vraiment la rue. Et heureusement, avec les militants qui sont là à Bruxelles, j'ai commencé à rejoindre la campagne de réquisition. On a commencé la première ouverture, ça a été des amis qui ont ouvert le squat à Saint-Gilles qui s'appelle l'Hospitalière. Et il y a beaucoup de groupes qui logent là-dedans, c'est des groupes de sans-papiers. Plus que même le jour même où il y avait le relogement de tous ces gens-là dans le bâtiment, il y avait des demandes, il y avait des gens qui voulaient s'inscrire parce qu'il n'y avait plus de place et il y avait encore la demande de trouver encore un autre endroit. Et c'est comme ça, ces gens-là, ces militants, ils ont décidé de continuer sur cette ligne. Moi, ce que je veux dire ici, que voilà, il y a des solutions que nous-mêmes, comme Madame qui vient de partir, elle explique que c'est juste les citoyens, les bénévoles, les sans-papiers eux-mêmes qui prennent en charge les choses, qui reçoivent des demandes, qui essayent de trouver des solutions. Mais moi, personnellement, je ne suis pas censé de trouver des solutions. Moi, pour le moment, je dois m'en sortir moi-même de ma situation qui est vraiment très, très grave, que je dois aussi avoir mes papiers, que je dois aller aussi voir ma vie. Tout à l'heure, Madame, elle a parlé de sa famille et de sa maman. Moi, je n'ai pas vu ma famille il y a 10 ans. Et j'ai une grande envie de les voir, puisqu'il y a des événements qui se passent dans ma famille, j'ai envie d'être là, mais je n'ai pas le droit, je n'ai pas les moyens. Et voilà, c'est vraiment très compliqué au niveau personnel et au niveau de militer avec tous les autres. Quand je vois les galères des autres aussi, je m'oublie des fois et je dis, mais vraiment, c'est grave. Et voilà, on n'est pas censé de trouver des. On n'est pas censé de faire des solutions, mais on essaye. On essaye quand même, c'est des solutions spaladra. Mais juste pour vous dire que j'espère que l'État prend en main les situations comme ça pour faire des solutions durables. Pour nous, dans notre situation de sans-papiers, notre solution est très simple. C'est d'avoir déjà la carte de séjour. Je sais qu'il y a dans plein maintenant, en fait, on galère avec tous les Belges parce que pas seulement les sans-papiers, ils sont en train de souffrir. Il y a tous les secteurs qui sont en train de souffrir maintenant. Mais dans notre situation à nous, on dit on n'a même pas l'accès comme les autres citoyens à des services ou à des trucs. Même maintenant, on a parlé de vaccination. Il y a beaucoup, beaucoup de sans-papiers qui ignorent qu'ils ont le droit déjà d'aller se vacciner. Et ça, il faut peut-être informer, travailler là-dessus. Ça, c'est un autre sujet. Comme ils ont dit qu'il y a un bus qui tourne, mais il faut déjà informer avant que le bus passe dans les squats et prend les sans-papiers, parce que les sans-papiers, ils ne font pas confiance facilement et ils ne vont pas accompagner quelque chose qu'ils ne connaissent pas dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et voilà, c'est tout un travail en fait. Et voilà pour nous, personnellement, je crois qu'il faut juste cette carte de séjour pour sortir de ce tunnel. Après, peut-être, on va voir comment ça se passe. On espère que tout va ouvrir et la situation reviendra comme avant. Parce qu'avant, les sans-papiers, ils travaillent, on va dire, ils travaillent en noir et ils ne parlaient pas. Tu vois, nous, on n'arrêtait pas, quand on milite avec les groupes, on n'arrêtait pas de dire, il faut arrêter même de travailler le jour de la manifestation et venir, mais on n'a jamais réussi à ramener beaucoup de gens. Maintenant, j'ai vu qu'il y a cette volonté de, non, on a vraiment besoin d'avoir nos droits d'abord, après aller travailler. Et c'est là qui motive les gens à sortir et revendiquer leurs droits. Voilà. Merci beaucoup. Tu parlais d'expulsion et du coup, pendant le Covid, les contrôles en rue étaient particulièrement renforcés.
Est-ce que tu peux parler de ça, du coup, de la répression que les personnes sans papier subissent dans la rue à cause des contrôles de police, ou est-ce que parfois ils font preuve d'adaptation ou pas? Toujours est-ce. Ben, les contrôles policiers, ils sont dans le temps normal et dans ce temps de confinement et de Covid. C'est la même chose en fait pour moi. Ça n'a pas fait une grande différence. On est contrôlé partout, dans les parcs, comme on vient de citer, dans les parcs, dans les squats, dans les métros, dans les arrêts de métro, les trams et tout ça. Mais ce que je veux dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de logement. Vraiment, ils n'ont pas des endroits où aller dormir. Par exemple, ils dorment dans les SAMU sociales. Et du coup, des fois, le SAMU, il est rempli et tu ne peux pas respecter les heures. Et peut-être avec les règles qui sont maintenant qu'il ne faut pas dépasser 22 heures pour rentrer chez toi, mais il y a des sans-papiers qui n'ont pas leur. Chez soi, il n'y a pas chez moi, il n'y a pas lui, il a rien quoi, il a que la rue et des fois il traîne la journée dans des associations, ça s'appelle des centres de jour, mais la nuit il dépanne soit chez des amis, soit au SAMU social et s'il trouve pas ça, c'est les parcs. Mais ça c'est une situation un petit peu difficile. Je dirais que maintenant, actuellement, il y a quelque chose qui s'appelle le moratoire parce que même dans les squats où les sans-papiers ils logent, il y a le risque d'être expulsé de ce squat-là. Et du coup, pour le moment, il y a plusieurs secteurs, je dirais plusieurs associations et des acteurs, des militants et tout ça qui sont sur ce sujet de moratoire. Et du coup, ça retarde un petit peu, je crois, pour moi, ça retarde un petit peu l'avalanche qui va se déclencher bientôt. Que si le moratoire va s'arrêter, on aura plein d'expulsions de plein d'endroits et du coup là, on aura même des expulsions des gens qui payaient pas leur loyer. À mon avis, ça sera vraiment très grand, très grave. Et c'est là que peut-être il faut se réunir et militer ensemble et dire voilà, c'est une période exceptionnelle. Et il faut peut-être pour les gens qui ne peuvent pas payer leur loyer et tout ça, qu'on peut trouver une solution pour eux. Moi, maintenant, je trouve des solutions pour les Belges. Hein. Et peut-être pour les sans-papiers, on peut leur donner leurs papiers, mais il faut peut-être se réunir. Il faut que nous tous, on se réunisse. On a vu le secteur de la santé qui est sorti à Bruxelles. Et ça a donné quelque chose de grand. Il y avait plein de gens. On était même là. On était, autant que sans papier, on était aussi là. Malheureusement, Maria, elle est partie, mais il y avait des travailleuses sans papier qui travaillent dans le secteur de la santé, dans le nettoyage. Et du coup, elles galèrent. Il y a des femmes qui galèrent. Il y a des hommes qui galèrent. Ben, du coup, on est lié à toutes les luttes antiracistes. On est lié par rapport à la répression policière. La santé en lutte, bah les sans-papiers, ils sont là parce que aussi ils travaillent dans ce secteur-là. Toutes les luttes, moi, que j'ai vues, que ça se passe ici à Bruxelles, c'est toujours, tu trouves les sans-papiers là-dedans parce qu'on est touché par tous les sujets. Et c'est pour ça, moi, je dis, il faut aussi, quand on revendique les droits des citoyens belges, à côté, peut-être, il faut revendiquer les droits des travailleurs et des gens sans-papiers qui sont là, côte à côte avec les citoyens belges. Clair, parce qu'il y a toute une partie en fait des gens qui soit ont perdu leur travail et qui maintenant se retrouvent sans moyen de survie, mais il y a aussi toute une partie qui continue à travailler parce que ils n'ont pas beaucoup d'autres choix pour justement pour survivre et du coup qui sont en fait vraiment à risque de développer le Covid ou qui même développent le Covid et n'ont d'autre choix que de continuer à travailler. Et puis aussi toute la question en fait de ces secteurs qui sont en manque de personnel et qui pourraient dont les sans-papiers comptent dans leur membre des personnes qui pourraient justement faire partie de ce personnel, mais qui, comme ils ne sont pas régularisés, ne peuvent pas être employés de manière formelle. Et on l'a vu par exemple au Ouais. niveau de l'agriculture, ils ont eu un gros manque de main-d'œuvre et donc ils ont proposé à des sans-papiers de venir travailler. Donc à la fois on ne les reconnaît Ouais. pas et à la fois quand on en a besoin, là, je sais pas Ouais, si tu mais as un c'est commentaire. là. Ouais. Ça a été drôle. En fait, on avait un groupe WhatsApp où il y a beaucoup de sans-papiers de migrants libres, justement.
On parlait de beaucoup de sujets. On a parlé aussi de la régularisation qui s'est passée en Portugal, la régularisation en Italie. En Espagne, il y avait quelque chose qui ressemble à ce que tu viens de dire. Ça était des régularisations sur contrat d'agriculture, des trucs comme ça. Et on a vu même, ça était très beau ce que j'ai vu. Ça a été une vidéo des travailleurs maghrébins, justement, dans un champ. Ils ont refusé de bosser avant de les régulariser. Il y avait le camion qui est venu les chercher. Ils ont joué le jeu. Ils ont monté dans les camions et il y avait plein de jeunes qui filmaient la scène. Tout le monde est monté dans les camions. Ils étaient dans les champs avec les Espagnols, mais les Espagnols, ils étaient vraiment peu. Et tous les Maghrébins qui étaient là-bas, ils parlaient espagnol. Je comprenais pas, mais je lisais la traduction. Qu'ils disaient on voulait nos papiers parce qu'ils savaient qu'il y avait ce besoin de cette main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chère qu'un citoyen du pays parce qu'il paye avec des prix, c'est ridicule, quoi. Plus la santé, que tu perds ta santé dans les champs, et t'es pas protégé avec, comment dire, médicalement, t'es pas protégé. Et voilà. Mais on a parlé ici en Belgique parce qu'il y avait ce sujet qu'on a besoin de cette main-d'œuvre pour l'agriculture. Là, maintenant, on peut. Les embaucher. Justement, il y a une semaine, j'ai parlé avec un ami sur un truc que j'ai vu passer sur Internet. Ça était la Poste belge qui a fait une demande de main-d'œuvre parce qu'il y avait un manque et du coup, la Poste, ils voulaient former des nouveaux arrivants qui ont eu leur papier récemment, mais ils ont été bloqués par la langue. Ils ne parlaient pas la langue. Moi, je ne suis pas contre, j'étais très content parce que c'est des premiers arrivants qui sont venus de différents pays et qui viennent d'avoir leur statut réfugié et ils vont être embauchés à la poste, mais il y avait l'handicap de la langue. Et c'est là que moi, j'ai dit, est-ce que nous, les sans-papiers, on ne pouvait pas aller leur envoyer juste un petit message et dire régulariser les sans-papiers? Ici, ils connaissent la ville beaucoup plus que d'autres citoyens belges. Moi, avec mon vélo, je connais Bruxelles coin par coin. Alors, si vous me donnez ce poste de facteur, ça me va, moi. Vous me donnez mes papiers, un petit travail de poste, et voilà. Mais bon, ce discours-là, ça va pas. Et ce discours-là, il était même porté une fois où il y avait MR. Et ils ont dit, en bref, ce que j'ai compris, que le sans-papier, il n'a pas de place ici. Si tu viens pas au pays avec un contrat de travail, t'as pas ta place. Et si tu viens pas pour étudier, comme étudiant, alors t'as pas de place. Et voilà, c'est nous, notre lutte, elle est vraiment très dure. Je ne sais pas comment on va arriver à notre but, mais on continue quand même. Et voilà, j'espère qu'un jour, on va réussir à arracher les papiers, quoi. Parce que pour préciser, contrairement à des pays comme le Portugal ou l'Italie qui ont régularisé, la Belgique offrait l'emploi sans promesse de régularisation. Ouais, bah, l'hypocrisie. Bah, en fait, il y avait un truc très drôle parce que j'ai lancé un hashtag juste après notre sortie à Claire qu'on a fait. J'ai lancé un hashtag que la Belgique peut aussi régulariser et je faisais par rapport au Portugal que vous pouvez faire comme le Portugal, même si en Portugal, ils parlaient que c'est juste 6 mois. Mais c'est pas une régularité. Mais voilà, là maintenant, on vient de passer un an de Covid et les gens, ils sont encore régularisés parce qu'ils se foutaient de la gueule des gens. Ne croyez pas que c'est une bonne régularisation, laissez tomber. Et les gens, ils se démotivaient. Mais je dis, il fallait continuer sur cette ligne de demander une régularisation comme l'autre pays parce que on peut l'avoir. On n'est pas si nombreux ici. Eh ben, ils font peur des fois par des chiffres, par des trucs, mais même les sans-papiers eux-mêmes, ils croient à ça, à cette peur. Ils croient aux médias, ils croient à plein de rumeurs, malheureusement. Et ils gagnent sur ce terrain de médias. Ça, c'est une très grande, très, très grande question pour moi. C'est comment on peut médiatiser notre lutte? Parce que je crois que si on touche l'opinion publique, là, on peut atteindre quelque chose. Tant qu'on est vraiment flouté par les médias et ils parlent de nous juste avec 30 secondes ou même pas, et ils disent ce que eux ils ont envie de dire, pas ce que nous on a envie de dire, je crois pas qu'on va arriver à quelque chose.
Je ne sais pas si tu as encore d'autres questions. Oui, donc on parlait du fait que les personnes sans papier n'étaient pas régularisées alors qu'on leur demandait de travailler. Est-ce qu'il y avait encore des procédures de régularisation en cours pendant le confinement? En fait, il n'y a pas de régularisation tout court. Il n'y a pas de comment il dit? Il n'y a pas de critères clairs en Belgique sur lesquels on peut être régularisé. Des fois, il y a des dossiers, on ne sait même pas c'est quoi, et la personne, il vient le lendemain et te dit, oui, ils m'ont donné les papiers. Tu lui demandes pourquoi, il dit, je ne sais pas. C'est mon avocat, il m'a appelé, et voilà, ils ont donné les papiers. Je parle seulement pour les régularisations, parce que les demandeurs d'asile, c'est différent, parce que les demandeurs d'asile, ils doivent prouver son parcours, ils doivent parler, c'est très différent. Mais quelqu'un comme moi, que je demande juste la régularisation, que j'ai pas de, je ne fuis pas un pays de guerre, ou je ne fuis pas une situation politique difficile, j'ai pas d'argument, je dois juste rentrer chez moi. C'est ça leur argument. Moi, j'ai eu l'ordre de quitter le territoire. L'argument qui est que tout ce que j'ai donné comme possibilité, pourquoi moi j'ai envie de rester en Belgique, ça a été, voilà, j'étais dans cette association, j'étais même à la plateforme citoyen réfugié comme traducteur arabe-français. J'étais là bénévole, je ne sais pas, j'ai fait plein de choses. J'étais à Migrakot aussi, présenté à l'immigration. J'ai donné toutes les photos, tous les documents. Toutes les activités que j'ai fait pendant 5 ou 6 ans ici en Belgique, j'étais trop actif. À chaque fois, c'est la même phrase. Ce n'est pas une raison suffisante pour rester sur le territoire belge. C'est chaque fois la même phrase sur chaque document que j'ai donné. Et juste, il faut quitter le territoire dans le bref délai. Et c'est ça que moi, la plupart de Maghrébins, justement, ou des gens qui viennent des pays sûrs, qu'il n'y a pas un grand conflit ou quoi. Il reçoit toujours les mêmes raisons de quitter le territoire. Il n'y a pas de raison pour rester là. Du coup, la plupart de gens, ou la majorité de gens, ils deviennent sans papier. Et du coup, ils décident de rester. Et c'est là qu'il devient la main-d'œuvre moins chère de sans papier qui travaille dans n'importe quoi. Et ça convient, justement, je crois, ça c'est mon avis personnel, ça convient à cette politique belge, cette politique migratoire belge, parce que c'est de la main-d'œuvre très expérimentés, ils ont de l'expérience très forte et beaucoup, beaucoup moins cher que tu peux trouver, par exemple, ici à Bruxelles. Je parle de Bruxelles, il y a ici à Isère, pas loin de Petit Château. Tous les travailleurs sans papier, tous les jours qui cherchent du boulot, ils sont toujours là. Et ça, pour moi, c'est de l'hypocrisie de l'État parce qu'ils savent où nous sommes, ils savent même où on travaille, ils savent même où on loge. Mais il nous laisse comme ça pour profiter peut-être de notre présence. Et voilà. Et du coup aussi, on se demandait au niveau de la santé, Anne-Catherine, on a déjà un peu parlé, mais c'est quoi les difficultés que va rencontrer une personne sans papier pour avoir accès à l'aide médicale et au testing et ce genre de choses? En fait, les difficultés que un sans-papier peut trouver, c'est simplement quand il n'a pas de logement. Tout vraiment tourne autour de logement. En fait, si t'as pas une adresse fixe, si t'as pas un endroit où comment il s'appelle déjà, le flic qui vient chercher à la maison, j'ai oublié comment on appelle ça. Mais bref, si il vient pas et il trouve pas que tu habites dans l'adresse que tu as donnée, il t'en donne jamais la carte médicale. Il ne te donne jamais l'accès aux soins. Il y a toujours des associations, des trucs comme on a parlé tout à l'heure. Madame, elle a dit qu'on connaît des amis, on connaît des associations, des trucs comme ça. Mais quand le sans-papier, il vient de débarquer, il connaît pas, il n'a pas un réseau, il n'a pas des amis, il ne connaît pas des assos, il ne connaît pas les alternatives, il reste comme ça, malade. C'est comme ça. Moi, j'étais comme ça aussi au début, je ne connaissais rien. Mais après, ces Médecins du Monde, avant que je sais qu'il y a un aide médicale d'urgence, c'est Médecins du Monde qui m'ont aidé. Après, c'est la carte médicale, j'ai essayé de la faire. Ils m'ont fait dégoûter tout court parce que ils ont joué de moi comme un ping-pong. Allez, il faut aller ramener un truc de chez le médecin pour prouver que je n'ai pas d'adresse.
Il faut aller encore au CPS, il faut encore voir l'assistante sociale. L'assistante sociale, elle me renvoie encore à l'hôpital. Ils ont joué un ping-pong comme ça trois, quatre fois. J'ai déchiré le papier, je suis parti parce que je ne l'ai pas eu. Juste parce que je n'ai pas un domicile fixe. Et je refusais, je suis parti. Mais dernièrement, j'ai eu la carte médicale avec mes amis dans le squat. Et voilà. Parce que quand tu as un endroit, une occupation politique où il y a des militants qui entrent, qui vont revendiquer leurs droits et tout ça, la commune ou le CPS, il envoie un petit groupe d'assistance sociale qui va voir tous les gens qui habitent là, s'il y a des besoins spécifiques. Et c'est là qu'ils commencent à donner les cartes médicales facilement à tous les habitants. Et c'est moi, ça, c'est l'astuce que j'ai trouvée de la prendre facilement. C'est d'entrer dans un endroit, un squat, même si j'habite pas, mais m'inscrire avec ces gens-là, avec tout ce groupe-là, et la prendre comme ça. Si on ne fait pas des trucs comme ça, on ne va jamais l'avoir. Et c'est pour ça, madame, tout à l'heure, quand elle a dit il y a un monsieur qui ne l'a pas eu, oui, c'est vrai, ils peuvent bloquer et ne pas la donner ils n'ont pas la preuve qu'il a un endroit où dormir. Parce qu'ils pensent toujours que le mec ou la nana, ils vont quitter juste le pays, ils sont là juste comme transit, ils ne vont pas rester en Belgique, du coup, ils ne peuvent pas profiter de notre système. Et c'est un petit peu débile parce que nous, on est dans une épidémie et la personne, s'il est touché, il va contaminer tous les gens, tous les Belges. Ben voilà. Oui, c'est vrai que ça, au final, le manque d'humanité de l'État et des règles, finalement, porte préjudice à tout le monde. Et donc, comme tu dirais bien, c'est profondément stupide parce que ça met en danger la santé publique juste parce qu'ils ne sont pas capables de régulariser les personnes en situation de vulnérabilité et qui n'ont pas la possibilité d'avoir un logement fixe et une adresse, quoi. Tu as une autre question? À l'époque de Maggie de Bloc, je ne sais pas ce que vous avez vu ça, une fois, elle a dit qu'elle avait envie d'enlever cette aide médicale d'urgence pour les sans-papiers. Ils avaient envie de l'enlever. Déjà, on n'a rien. Et même cette aide, on galère pour l'avoir. Et il faut chipoter à gauche, à droite pour que tu l'as. Et ils ont dit oui, ils profitent beaucoup de ce système. Mais on profite de quoi? Et ils disent ouais, il y a beaucoup de sans-papiers qui profitent de l'AMU et il faut le retirer. Ça a été à une période, j'ai vu ça, j'ai dit vraiment, ils sont à côté de la plaque. Oui, ça c'est lié aussi au fait que bah, il y a un peu cette théorie de l'appel d'air qui fonctionne bien chez les politiques pour le moment, c'est de se dire que plus on offre d'aide aux sans-papiers, plus ils auront l'idée de venir dans nos pays, ce qui est factuellement faux. Enfin, ça a été prouvé que c'était faux dans plusieurs études, que c'est pas parce que on offre des conditions de vie plus humaines à des personnes que nécessairement elles vont venir plus en masse chez nous qu'ailleurs. Mais c'est quand même quelque chose qui justifie que du coup on baisse les services accordés aux personnes sans papier. Et c'est des argumentaires qui reviennent très fréquemment dans l'extrême droite. Marine Le Pen en France, qui explique qu'on donne beaucoup trop d'argent sans papier, etc., que ça ne va pas. Mais évidemment, ce qu'on les réplique, c'est ben quoi alors? On fait quoi? On les laisse mourir dans la rue? Enfin, on est quoi comme pays alors pour faire ça, quoi? Mais c'est le monde à l'envers. C'est qui offre des services à qui? En fait, l'aide médicale qu'ils donnent aux sans-papiers, c'est vraiment des miettes par rapport à ce que le sans-papier il donne au pays quand il travaille. Et il cotise déjà depuis qu'il met son pied sur le territoire belge. Il commence à consommer, il va chercher louer, il va vivre, il va faire beaucoup de choses. En fait, il fait tourner l'économie. Et ben, si on parle d'économie, c'est la plupart des gens qui sont. Ben, ce que je vois ici à Bruxelles, la plupart des gens qui font bouger Bruxelles, c'est des étrangers. Les métros, les trams, les magasins, les vendeurs, tout ce qui bouge autour de moi, c'est des étrangers. C'est rare que je vois un Belge qui fait, par exemple, un éboueur ou il fait métro, il fait quelque chose comme ça. La plupart, même des contrôleurs, des fois, c'est des Maghrébins qui chopent les gens dans les bus et tout ça. Et c'est ça, moi, je dis, c'est le besoin de l'Europe en général, de la main-d'œuvre, de l'étranger qui vient ou des migrants qui viennent,
C'est les chiffres qui parlent d'elles-mêmes parce qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre. Ils ont besoin. Si on arrête de ramener. L'Allemagne, dernièrement, ils ont sorti un truc que j'ai lu, j'ai oublié juste les chiffres, mais leur économie, elle a augmenté parce qu'ils ont vraiment entré les migrants dans plein d'endroits qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Ils ont vraiment intégré les gens dans des systèmes que ça marchait. Et quand ils ont fait les analyses, ils ont vu que leur économie, il a augmenté. Bah, du coup, là, c'est une question qui se pose vraiment très forte pour les gens qui cherchent des chercheurs et des gens qui font des analyses et tout ça. C'est qui profite de qui? Comme ça, on peut répondre à ces extrêmes droites que vous dites, oui, il vient ici pour profiter de notre. Non, on ne vient pas pour profiter, désolé. Bah, c'est peut-être vous que vous profitez de nous à fond jusqu'à ce que les gens, ils dépriment et ils pètent des câbles. Il y a des gens. Dans les secteurs de sans-papiers, si vous allez des fois dans des squats, il y a des gens, pour moi, malheureusement, ils ont lâché tout. Ils veulent même pas, tu vois, tu lui parles même, allez, viens avec moi au CPS pour te faire une carte médicale. Il dit, je ne veux plus rien, je ne veux plus rien. Il a même pété des câbles. Il y a beaucoup de gens qui dépriment, ils veulent juste rester dans le squat et rester là jusqu'à ce que peut-être il y ait une ouverture de loi pour avoir les papiers parce qu'ils ont essayé tout leur possible. Et ça n'a pas donné, et ça fait des dizaines d'années. Ça, on ne parle pas d'un an. Moi, je crois que je suis le minimum 10 ans en Europe. Quand je dis oui, 10 ans, je pense que c'est beaucoup. Il y a des gens qui me surprennent avec 20 ans, des enfants. Ils me disent, toi, c'est rien. Tu vois, nous, ça fait 20 ans, on a des enfants ici. On a fait beaucoup de choses. Et quand ils me montrent leur lutte, moi, je dis, ah ouais, c'est ridicule ce que je fais, en fait. J'ai rien fait. Et voilà, il y a beaucoup de misère, en fait, dans le. Surtout sur le secteur de sans-papiers. Je pense qu'il y a beaucoup de misères maintenant qui vont submerger, beaucoup de précarité qui va arriver. Et le bas de chaîne, comme je dis toujours, c'est nous. Nous, on est toujours tout en bas, les oubliés, c'est les sans-papiers. Mais personnellement, des messages comme ça négatifs, je n'ai pas envie de circuler dans mon secteur de sans-papiers, là où il y a. Mon groupe migrant libre, je veux toujours sur les groupes migrants libres ou d'autres groupes de migration où il y a des sans-papiers, j'essaye toujours de motiver, de donner l'espoir. Pourquoi? Parce que si nous, on ne porte pas parole, si on ne fait pas ça, il n'y a personne qui va parler de nous. Et c'est comme ça, il faut continuer la lutte jusqu'à ce qu'on a nos papiers, quoi. Et je ne sais pas si tu as une... Moi, j'avais une idée sinon de remarque aussi. C'est qu'avec le Covid, on est de plus en plus passé à des activités en ligne. C'est-à-dire qu'on a besoin on a besoin d'un smartphone, on a besoin d'une carte de banque. Cette semaine, on a voulu aller en bus avec des personnes demandeuses d'asile qui n'avaient pas de carte de bus. Et ben, en fait, normalement, elles ne pouvaient pas prendre le bus. On a dû faire des arrangements. Et donc, je me Ouais. demande si tu as des remarques à faire aussi sur cette question auxquelles on ne pense pas comme ça d'office, mais qui est quand même compliquée aussi pour les personnes, qui peut être compliquée pour les personnes sans papier. Ouais, en fait, j'ai pas noté toutes mes idées, mais là, tu viens de me rappeler un truc. Quand ils ont commencé de décider de faire ils ferment tous les magasins, toutes les choses, ils ont décidé que le paiement passe par carte, même la STIB, elle a dit par précaution et tout ça. Il faut que les gens payent par carte. Et nous, les sans-papiers, on est tombé dans ce problème-là qu'on ne peut pas payer par carte, on paye tout par liquide. Et si on ne donne pas le liquide, on n'a pas de carte bancaire, on n'a pas le droit. Et voilà. Mais on trouve des alternatives comme voilà, tu viens de dire que vous étiez avec des gens. Moi, tu dois toujours trouver un ami belge qui peut te payer ton abonnement STIB ou ton abonnement de téléphone. Il faut trouver des solutions. Plus que, avec le temps, un ami à moi, il m'a envoyé un truc. Moi, personnellement, ça n'a pas marché pour moi parce que mon passeport est expiré. Mais vous pouvez dire ça à des gens qui ont encore leur passeport actif. C'est un site sur Internet. C'est une carte bancaire qui s'appelle N24 ou N26, je ne me rappelle plus. Mais je peux vous envoyer ça après. Je vais lui demander. C'est quelque chose que tu fais sur Internet et tu as cette carte. Même si tu es sans papier ici en Belgique, tu le reçois à l'adresse que tu leur donnes. Et cette carte, c'est quelque chose que tu peux recharger. Ce n'est pas une carte comme toutes les cartes bancaires normales où tu as un compte bancaire, mais c'est comme une carte prépayée. Mais
Au moins, si tu as par exemple 800 € ou 600 €, tu peux la remplir avec un ami belge et comme ça, tu es tranquille, ton argent il est dans la carte et tu peux payer tous tes trucs tout seul. Mais c'est juste le seul bémol, c'est que tu dois toujours chercher quelqu'un pour la charger. Voilà. Une fois, et après, tu fais toutes tes activités avec. Ça a été un souci. Et même avec la coordination de son papier, on a envoyé un mail à la STIB. Moi, je trouvais ça peut-être, ça ne va pas donner de résultat. Et ça n'a pas donné de résultat parce qu'ils ont donné l'argument, oui, on a fait ça pour protéger tous les gens parce que les liquides, ils peuvent passer le virus. Et du coup, on a arrêté de prendre. Et on les a demandé de nous trouver une solution, mais ils n'ont pas répondu. Et voilà. À propos du fait que tout est informatisé, il faut savoir aussi que on a beaucoup parlé ces temps-ci de la situation dans laquelle les étudiants se trouvaient et les gens qui suivaient une scolarité. Le problème, c'est que déjà l'accès à la scolarité pour les personnes sans papier et demandeuses d'asile est très difficile. Les MENA en général, mineurs étrangers non accompagnés, ont accès à la scolarité, mais en distanciel, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, voire impossibles. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ben, moi j'avais juste comme vous sur Internet passé ce problème des étudiants qui sont là en Belgique. Et déjà, le premier souci, ça a été les ordi. Il y avait beaucoup d'étudiants, ils n'avaient pas d'ordinateur. Mais ce que j'ai vu, qu'il y avait une solidarité de petits groupes comme ça qui réunissent des vieux ordi qui pouvaient les réparer. Il y avait des ateliers de réparation, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais en fait, il y avait des ateliers de réparation d'ordi et ils donnaient les ordi aux gens qu'ils avaient besoin, à tous les étudiants qu'ils avaient besoin. Mais c'est vrai que là, moi, je trouve que le sans-papier, il galère double. Un citoyen belge, oui, il galère, il souffre. Mais un sans-papier, il souffre doublement. Alors, s'il y a un étudiant sans-papier qui n'a pas déjà beaucoup de moyens et il doit suivre ses cours, il va souffrir mentalement, il va souffrir même pour s'il étudie dans un s'il habite dans un squat ou s'il habite. Vraiment pour moi, c'est une situation que nous, on souffre toujours la chose deux fois. C'est pas juste une fois, mais deux fois, doublement, quoi. Et tu dois vraiment faire un effort beaucoup plus que l'autre, que sa vie, oui, il a tous les trucs offerts. On vient de parler de la carte de crédit et tout ça, mais toi, non, tu vois, il faut que tu chipotes, il faut que tu trouves des solutions alternatives, il faut que tu appelles des associations, tes amis pour t'en sortir. Mais c'est ça que nous, dans les groupes comme ça, on essaie même de trouver des petites solutions pour les gens qui galèrent. Je trouve que ça, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'État, c'est. Là, on vit ici, en fait. Et comme c'est un ami qui dit ça, il dit, on a nos enfants ici qui étudient avec les Belges et tout. Mais voilà, ça, je trouve que c'est un petit peu triste parce que les étudiants qui étudient ici avec les Belges, ils n'ont pas je sais pas, les mêmes droits comme un étudiant normal, comme un étudiant. Un petit enfant qui est dans une école, il peut pas aller voyager avec ses camarades quand il y a un petit voyage qui s'organise. Et ça, c'est un petit peu malheureux, quoi. Mais on vit pas les choses, comme les autres, quoi. Je ne sais pas si dans le public vous avez des questions à poser à Rabia. Ou si Rabia, tu as encore une idée de ce qui pourrait être abordé vis-à-vis de la situation Covid et dont on n'aurait pas encore parlé ce soir. Ben, en fait, c'est juste par rapport aux questions que tu m'avais envoyées. Je voulais vraiment toucher toutes les questions pour ne rien oublier. Ben, du coup, j'ai ouvert le fichier. Et ce que je voulais dire, en fait, sur la situation actuelle des sans-papiers, je crois qu'on est dans un moment très important. Pour moi, personnellement, on passe dans un tunnel et soit ça passe, soit ça casse. Maintenant,
Il y a beaucoup de groupes qui se mobilisent, il y a beaucoup de choses. Je sais que c'est très difficile, il y a beaucoup de conflits. Là, je suis aujourd'hui pour parler de comment ça s'est passé, le confinement, les difficultés et tout ça. Mais sachez-le, il y a beaucoup de conflits entre nous-mêmes dans les groupes et tout ça. C'est pas facile en fait de s'organiser. Ça, c'est dur. C'est très, très dur de s'organiser. J'ai réalisé ça depuis 2015 en fait jusqu'à maintenant. C'est très dur de faire. Mais je crois qu'il y a une volonté. Là, je la vois, ça bouge, il y a une volonté. Il faut juste la touche finale. Et pour moi, la touche finale, c'est juste que tout le monde doit sortir. Pas seulement les sans-papiers, mais tous les citoyens avec nous, que ça soit médiatisé, quand on pose les points sur les i, quand on dit voilà, tous les secteurs, ils galèrent, tous les gens, ils vont galérer. Une fois que le moratoire, il va s'arrêter, on va se retrouver dehors, les squats, ils vont être expulsés, les gens, ils vont vraiment se retrouver dans la rue. Il y a plein de gens qui ne vont pas pouvoir payer leur loyer, plein de gens qui vont, ben, ils vont retrouver leur travail, mais pas avec la même façon. Du coup, à cette étape-là, il faut que l'État soit courageuse, régularise les gens, donne des solutions à les autres gens qui galèrent dans différents secteurs. C'est ça que je voulais dire, que les luttes, ils sont liées. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand je regarde d'autres manifs ou d'autres luttes, les luttes, ils sont vraiment liées. C'est parce qu'on vit dans une société et on doit être soudés et on doit vraiment participer à toutes les choses, mais ne pas laisser un secteur tomber par rapport, parce que nous, on est touché par un autre sujet. Non, non, non. On est tous touchés par tous les sujets, quoi. Parce que des fois, même pour aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un et j'ai dit, mais tu viens avec nous, il y a la sortie du 28, le 28 ici, on va sortir pour la journée pour le logement et tout ça. Et je participe à cette journée, mais il m'a dit, c'est quoi l'intérêt? Nous, c'est des sans-papiers, on parle migration. Mais j'ai dit, mais le premier truc que tu cherches quand tu débarques, c'est le logement. Que tu sois sans papier ou avec papier, ça te touche d'une façon ou d'une autre. Et déjà, j'ai dit, il y a des squats où les sans papiers logent dans les squats et on veut changer cette réalité. Ben, du coup, on peut passer aussi notre message que les sans papiers, eux aussi, ils doivent vivre dans des endroits dignes d'être humain, qu'ils ne doivent pas toujours chercher des squats pourris, négocier, je ne sais pas, avec beaucoup de gens. Ils ne savent même pas comment réagir, comment faire pour avoir un logement, galérer beaucoup fort pour avoir une petite chambre qui est une petite chambre partagée des fois, que tu peux partager avec 4-5 personnes dans une seule. Alors du coup, les formes de confinement, ce n'est pas respecté du tout dans des squats. Et voilà, j'ai dit, on est touché par tous les sujets, il faut qu'on se mobilise et on sort à tous les. Il ne faut pas laisser les opportunités passer comme ça. À chaque fois, il faut que nous, on vienne. Et on revendique nos droits, mais nos droits légitimes, c'est vrai que c'est la régularisation, mais à côté, il y a plein de choses qu'on doit aussi revendiquer. Il y a Claire qui demande si le confinement a eu des répercussions particulièrement importantes sur la santé mentale des personnes sans papier et plus globalement si on leur donne accès à des aides par rapport à ça, donc à des personnels, psychologues, assistants sociaux, psychiatres. Bah, sûrement, sûrement, il y avait des impacts. Moi, je vais parler de mon situation personnelle. Je suis traducteur, des fois bénévole, des fois je suis payé. C'est une avocate amie qui m'appelle des fois pour traduire. Et je traduis pour des réfugiés, des demandeurs d'asile qui sont dans leur centre aussi et qui pètent des câbles aussi. Heureusement pour eux, ils ont un suivi psychologue. Pour les demandeurs d'asile, ça oui, c'est offert. Quand tu es dans un centre ouvert et tu attends le résultat de ton dossier, tu as un suivi d'un psy, d'un médecin, d'un avocat et tout ça. Mais quand tu es sans papier, ça non. T'as aucun aide à part l'aide médicale d'urgence comme on a dit. Sauf si tu connais les associations. Ça, c'est autre chose. Quand tu connais les associations, les ASBL, il y a des ASBL qu'ils peuvent fournir ce service de suivi psychologie. Et voilà, il y a des trucs comme ça. Mais des fois, c'est vraiment très compliqué d'y accéder pour un sans-papier. C'est vraiment beaucoup. Déjà, c'est compliqué aussi de le convaincre psychologique d'aller suivre chez un psy. Des fois, il y a des gens qui veulent même pas y aller
Et j'ai beaucoup d'histoires à raconter sur ce plan-là, mais ça va prendre beaucoup de temps. J'ai des amis qui ont fait des trucs bizarres, mais bon, voilà, ça a passé. Avec les années, j'ai vu beaucoup de choses dans des squats, parce que j'ai vécu beaucoup dans des squats et j'ai vu beaucoup de choses aussi. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions à poser, sinon on va tout doucement clôturer. En tout cas, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que si ce n'est pas les citoyens qui se bougent ou les personnes sans papier qui se trouvent des contacts, etc., bah, il n'y a pas beaucoup de possibilités qui leur sont offertes par l'État. Et donc, bon, c'est positif de se dire qu'il y a quand même de la solidarité qui fait que les sans-papiers peuvent quand même vivre dans notre pays, mais en attendant, c'est quand même pas suffisant et c'est pas normal que, comme disait Anne-Catherine, que ce soit seulement les citoyens qui doivent se bouger pour les aider. Il faudrait qu'il y ait des structures officielles qui le fassent ou qui régularisent tout simplement. Je sais pas si tu veux encore dire des choses, vieux. Non, pas tout de suite, c'est clair. Je sais pas si tu veux dire un dernier mot, Rabia. Ouais, je voulais juste dire un dernier truc sur ce que tu viens de dire. En fait, l'aide des citoyens, bah, en fait, c'est historique. C'est l'histoire qui parle d'elle-même dans le mouvement de tout le mouvement de sans-papiers pendant l'histoire ici en Belgique. Moi, ce que j'ai vu avec des amis qui m'ont raconté, avec des choses que j'ai vues même sur Internet, ça a été toujours comme ça, que les sans-papiers, ils bougent, ils font quelque chose et c'est les citoyens qui viennent se tenir pour qu'il y ait une régularisation. On se rappelle aussi de Samira Adamou qui était tuée dans l'avion et tout. C'est les citoyens qui sont sortis et ils ont dit oui, ça va pas et ça a été une régularisation. Après, il y avait des grèves de faim, il y avait des squats, il y avait des Afghans qui se sont enfermés dans une église. Il y a plein de choses dans l'histoire des sans-papiers qu'à chaque fois, c'est eux qui font le premier pas, mais c'est les citoyens qui soutiennent après en masse. Vraiment en masse, c'est ça qui donne les solutions après et que les régularisations viennent. Et moi, je dis juste que le discours de droite, ça ne va pas avancer à beaucoup de choses. Imaginons que tous les migrants, ils sortent du pays. Vraiment, je crois que l'Europe, il va galérer. Ils vont avoir besoin de migration. Bah, la migration, comme j'ai dit une fois, c'est une richesse, c'est pas un handicap pour les pays. Et voilà. Merci Rabia, on va dire la petite phrase de fin. Mais merci à tous d'être venus et surtout merci à toi Rabia. Si vous voulez, on organise encore une conférence la semaine prochaine en collaboration avec le Code des droits humains dans le cadre de la plateforme des caps sociaux. Et le sujet, c'est les personnes migrantes de la deuxième génération, quelle construction identitaire et quel sentiment identitaire. Et donc, sur la construction de l'identité et du racisme par rapport à ces personnes issues de la migration. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Salut.